toutes les infirmières ou les aides-soignantes ou tout le personnel de Marzay est derrière elle. Tout le monde, parce qu'on sait tous qu'on peut être à sa place. Toutes les infirmières peuvent être à sa place. Elle sait qu'elle est coupable, mais toutes les infirmières de France pourraient se retrouver à son niveau puisqu'on utilise beaucoup de produits dangereux et à chaque injection qu'on fait, malheureusement, l'erreur est humaine et toutes les infirmières pourraient se retrouver à sa place. Donc je trouve que c'est un peu dur, quoi, que la clinique prenne rien. Le problème, c'est que les médecins se déchargent avec leurs prescriptions ou pas aux urgences parce qu'on va tellement vite que c'est qui prend à chaque fois? C'est les infirmières. De toute façon, c'est toujours le problème de l'infirmière. Aux urgences à Marzay, il faut savoir qu'il y a une infirmière de jour, une aide-soignante de jour, et la nuit, on est une infirmière de nuit. Simplement, je la connais depuis bientôt 20 ans, c'est une excellente infirmière. De toute façon, si elle n'avait pas été une excellente infirmière, elle ne serait pas restée 6 ans de plus après ce problème. C'est une infirmière en plus hyper sérieuse. Elle a vécu un calvaire ? Oui, un grand calvaire. Abominable.